mesdames et messieurs les sportifs, je tenais très rapidement à vous dire le plaisir et le bonheur que j'ai d'être ici avec vous à Fréjus pour cette première étape 2013 du GDF Suez Énergie France Sky Tour. C'est parti, on y va. Premier tour, première journée de compétition. Ah, tout est là, tous les sponsors sont là, on a tout ce qu'il faut, on a tous les coureurs, on a changé de format de course, c'est ce qui fait que c'est ouvert, beaucoup moins élitiste, hein, on a les twin tips qui reviennent, les planches aussi directionnelles, les surfs, tout le monde est présent et bien entendu les foils et les races. C'est difficile parce que le vent est très très irrégulier, donc il faut jouer vraiment dans les zones de vent et avoir vraiment la bonne toile au bon moment. On est laissé en première place pour l'instant. Ma version ainsi pour les feignants. Cette année, c'est un honneur d'être ambassadeur pour le GDF Suez Énergie France Sky Tour 2013. Parce qu'on partage justement des valeurs communes, donc des valeurs d'utilisation de l'énergie, d'optimisation de l'énergie. Et donc c'est quelque chose qui nous met vraiment en commun sur cette utilisation de l'énergie. Le vent est un peu plus régulier qu'on avait hier, donc c'est parfait. Le championnat de France est probablement un des plus relevés au monde. On a des concurrents qui font aussi des compétitions internationales. Julien Kerner, Maxime Nocher, Geoffrey Mascarel qui sont des adversaires redoutables. C'est un honneur pour moi d'intégrer l'équipe du GDF Suez Énergie France Sky Tour. Tout d'abord en tant que femme, de représenter toutes ces rideuses qui pratiquent le kite en France et qui n'osent peut-être pas encore commencer la compétition, essayer de leur donner envie de participer. On a eu 3 jours de beau temps, 3 jours de vent, on a navigué tous les jours. C'est une belle étape, j'ai gagné presque toutes les manches, donc je suis vraiment content, belle perf. Et voilà, c'est la première étape et j'espère faire pareil sur les autres étapes. Voilà, vient de se terminer la première étape du championnat de France Speed Crossing, le GDF Suez Énergie France Kite Tour, avec un très beau temps, du bon vent, on a pu courir 8 manches, on avait 71 participants et donc on est absolument ravis de cette épreuve. Le prochain rendez-vous, c'est le FestiKite de Villeneuve-les-Maguelones qui sera la deuxième étape du championnat de France et c'est en mai, je crois, du 17 au 20.